alors celle-ci? Beaucoup de céréales? Beaucoup de céréales, oui, essentiellement de céréales. Elle est un petit peu au maïs. Ouais, maïs grain. Tournesol. Ouais. Et puis surtout escourgeon. Un peu de colza. Colza et blé. Une machine qui a été achetée neuve. Oui. Elle a combien de campagnes? 9e. 9e campagne, ouais. Alors au niveau, vous dites que vous faites un peu de maïs grain avec. Les modifications? Modification, y a quand même les grilles de battage hein, ouais. À changer. Comme le grain est plus gros, donc on change les grilles. Ouais. Et puis, disons que moi je change les grilles, mais j'ai jamais eu l'occasion de battre. Hein, ok, donc vous savez pas trop comment qu'elles se comportent, mais disons que. Je sais qu'on change les grilles, hein, ça c'est ouais, sûr. Ouais, au niveau de. Mais ça prend du temps? C'est facile? Non, c'est facile. Ça se fait assez rapidement? Assez rapidement. Ok. Au bout d'une heure, c'est changé. Ouais. Donc c'est quel type de coupe là? Vous avez sa largeur, elle fait 6 mètres. 6 mètres. Les modifications en colza de la coupe On rajoute un tablier devant. Ouais. Avec 2 scies sur chaque côté. Ok. Au niveau de la qualité de la paille, là sur céréales, est-ce qu'elle est fort agressive? Enfin ça dépend des conditions climatiques. Ça dépend, si il fait chaud, elle prise. Hein. Ouais. Et du fait que moi j'ai une escoueur. Elle est moins prisée que celle à retour. Ouais. Ok, enfin vous n'avez pas de réclamation des agriculteurs, ils sont grosso modo contents, ils ne se plaignent pas de la qualité de la paille. Non. Au niveau de la capacité du réservoir gasoil, vous savez pas. Je ne suis vraiment pas du tout. Et vous n'êtes pas embêté avec alors si non. Vous ne savez pas, c'est non, que ça ne vous a pas posé souci. Voilà, à mon avis, ça doit être un réservoir de entre 7 et 850 litres. Ah oui, parce que je tourne toute la nuit et ouais, donc pour le matin, c'est je suis encore pas sur la réserve. Quoi. Ouais. Vous avez déjà eu beaucoup de pépins mécaniques avec? Pour l'instant, non. Non. Je pense, non. Je touche du bois des bricoles. Ouais. Ah, les rabatteurs qui coûtaient plus rien. Bon, je commence à avoir les. J'ai un joint de. Un vérin qui fuit de direction. Bon, c'est tout des bricoles, hein. C'est une machine qui a déjà fait travailler. Hein. Uh-huh. Et puis le fait qu'elle fait aussi du maïs grain, bon, ça n'a même pas. Elle en fait plus de trop, hein, maintenant, ouais. On met la grosse. Hein. Allez, tous les matins, au niveau de l'entretien, vous passez du temps? Bon, il faut quand même une bonne heure. Une bonne heure? Ouais. Les graissages assez centralisés ou ouais, assez centralisés, ouais. Quand même, quand même. Bon, j'essaye de graisser. Le plus possible? Non, pas le plus possible, parce que je me sers souvent. En fait. Ouais. Ah, il donne un bouquin, et puis il faut graisser toutes les 50 heures, toutes les 111 heures. Ouais, vous respectez bien tous ça. Les jours. Ouais. Ok, et au niveau des filtres, ils sont accessibles? Oui. Ah, les filtres, oui. Ouais. Le filtre à huile, il est pile poil dans le moteur, hein, de toute façon, il est à côté du moteur. Le filtre à gasoil, il est sous le réservoir. Ouais. Filtre à air, pour la souffle, le nettoyer. Pour les filtres à air, ouais, pour nettoyer. Ouais, ça rend bien. Ouais. Les filtres de cabine aussi, pareil. Ouais, ok. La nuit, il y a un bon éclairage. Oui, ça va. Ouais. Bon, celle-là, il manque quand même des trucs. Hein. Donc, là, moi, il manque quand même des efforts quand je veux décrocher. Ouais. Bon, sur les roues. Et ils ont vachement amélioré le système aussi, hein, classe. Hein. Tous les ans, ils changent de gamme. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça a amélioré. Okay. L'autre, elle a 2 petites forges là. Ouais. Moi j'en ai pour. Ouais. Ok. Vous avez pas mis de caméra à l'arrière? Non. Ça vous manque? Ouais. Ouais. L'autre j'en avais une, ça me manque. Pour atteler tout ça, même ouais. Pour reculer dans les arbres. Ouais, pour manœuvrer, ouais. Ok. C'est vrai que ça me manque.